I'm sorry, I'm not the way you paint the picture of me. I'm sorry, you chose to stay. Big mistake, play the game. Should've never given it away. No, I didn't mean to. You get hurt at all. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog d'une journée de ma vie en tant que maman. Aujourd'hui on va uniquement s'occuper de bébé, donc c'est vraiment une journée dans ma peau de mère. C'est ma voix un peu bizarre parce que je suis toujours malade, je suis enrhumée, donc voilà. Donc là je me suis déjà apprêtée, je sors de la douche, je me suis vite fait coiffée pour vous. Je vais pas faire un truc de ouf non plus parce que voilà, je suis juste à la maison. Là je vais descendre parce que ma fille cette nuit elle a bien dormi, je suis trop contente. Il est 10h30 passé et peut-être qu'elle est déjà réveillée, juste que je ne le sais pas. Hein. Mais là, je vais descendre, je vais la récupérer. Et ensuite, on va commencer la journée. Donc voilà, c'est parti. T'es réveillée? T'es réveillée? Et... Bon, les gars, là, je vais laver et stériliser les biberons qu'on a utilisés durant la nuit. Et après, je vais monter et le donner son bain. Oui. L'habiller, la nettoyer, nettoyer son nez, tout le tralala. Je viens nettoyer son nez avec, avec ça, les gars, vous voyez. Elle aime pas du tout, mais c'est pour ton bien-être, ok? Voilà! Voilà. Elle est habillée. J'avais reçu les produits de chez Razeli Hair Love et j'aime trop cette gilet de crème. Voilà, gilet de crème. Je mets ça sur ses cheveux et ça définit tellement bien ce look, c'est incroyable. Voilà. On masse le crâne. Bon les gars, j'ai fini de donner le bain à la petite, je l'ai descendu en bas, je l'ai également coiffé et tout. Avant que moi je descende, je vais quand même vous montrer ce colis que j'ai reçu, qui est également le sponsor de cette vidéo. Donc c'est un colis que j'ai reçu de la marque Organic Basic. C'est une marque en fait qui propose des articles basiques qui sont très tendances. Vous voyez les t-shirts qui sont près du corps, manches longues, les débardeurs. De toute façon, je vais essayer, vous allez voir de quoi il s'agit. Et franchement, je trouve qu'on n'a jamais assez de pièces basiques dans sa garde-robe. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai pris. Et je vais les essayer pour vous également, comme ça vous avez une petite idée. Alors, le colis se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir. Tous les articles sont bien emballés dans un petit sac. Comme ça. Alors je commence par le premier article qui est un t-shirt. Je l'ai pris en taille S. Il se présente comme ceci. Franchement la matière est hyper agréable. C'est plus du coton. Et ça j'aime bien parce que du coton c'est bien pour la peau, vous voyez. Et il est stretch hein, comme vous pouvez le voir. Encore une fois j'ai pris le t-shirt en taille S. Et c'est pas vraiment un blanc, c'est du off-white, donc un blanc un peu cassé. Franchement, il est hyper confortable. Donc là, j'ai mis un débardeur en dessous parce que sinon, on allait voir à travers. Mais sinon, la matière, il n'y a rien à dire. C'est vraiment hyper agréable. J'aime bien. Ensuite, le prochain article, c'est un débardeur. Franchement, il est incroyable. C'est un débardeur ou un top, ça? Ça a l'air assez court, hein? Bon, les gars, voici le top à quoi il ressemble. Il est un peu court, il arrive au-dessus de mon nombril.
Donc là, je vais remonter le pantalon que je porte. Et également, c'est un blanc cassé comme le t-shirt précédent. Et ce que j'aime bien, c'est que ici, là, c'est bien épais. Donc, vous pouvez même le porter avec un autre débardeur comme moi, je fais. Parce que j'ai mon débardeur en dessous. Et ça cache, en fait. Donc, on voit pas qu'il est transparent. Ensuite, j'ai pris un body. Même le body, c'est la même matière. C'est une matière que j'avais jamais vue. En fait, c'est un mélange de coton, mais un coton qui est stretch. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. Bon, les gars, voici le body. C'est un body qui s'ouvre pas en bas. Donc, ça m'a quand même fait chier parce que je vais enlever mon pantalon pour le mettre. Et la couleur, c'est pas un noir qui est foncé comme vous pouvez le voir. C'est un noir assez clair qui va vers le gris. Parce que là, vous voyez que mon pantalon, il est vraiment noir. Ça, c'est vraiment pas un noir foncé. Mais il est hyper agréable, les gars. Franchement, je vous conseille même de prendre une taille en dessous. Parce que là, j'ai tout pris en taille S. Mais si vous voulez vraiment avoir cet effet genre snatch et tout, prenez une taille XS, genre en dessous de votre taille. Parce que c'est hyper stretch, en fait. C'est vraiment hyper stretch. Regardez, c'est hyper stretch. Et ça, j'aime trop. Bon, j'ai gardé le t-shirt blanc parce que je l'aime trop, en fait. C'est trop ma vibe. Et j'ai mis un jogging gris. J'ai également reçu un sac, les gars. J'aime trop ce genre de sac. Surtout pour faire des petites courses et tout. Ça, par contre, c'est du vrai blond. Vous voyez la différence? J'aime trop. C'est un petit tote bag comme ça, là. Il est cute, il est mignon. On va d'office le porter. J'ai reçu des chaussettes blanches hautes. Franchement, on n'a jamais assez de ce genre de chaussettes. C'est des chaussettes comme ça. Vous voyez? Simple, blanche, bien haute. Et j'ai également reçu 3 sous-vêtements. Je vous montre l'un de 3. Ouais, c'est exactement la même matière. C'est une matière incroyable, les gars. Je sais vraiment pas comment vous expliquer. Donc là, j'ai pris un boxeur. Je l'ai pris en taille S, mais je pense qu'il sera un peu grand. J'ai pris en taille S, oui. C'est hyper... En fait, la matière, les gars, je vous jure, je vous mens même pas. Elle est hyper méga incroyable et agréable sur la peau. C'est hyper doux, en fait, mais genre une douceur... T'as peur, t'as vraiment peur genre, tu vois. Mais voilà, ce sont les articles que j'ai reçus de cette marque. Franchement les gars, je mettrai le lien en barre de description. Mais leurs articles sont juste incroyables. Je suis trop fan de ce top, c'est mon coup de cœur. Ça se voit je pense. Il est trop beau, il est vraiment trop beau. Eh, il est trop beau. C'est vraiment le genre de basique que tout le monde porte ce temps-ci. Sauf que la leur est meilleure, la qualité est vraiment meilleure genre. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Franchement je vais rester avec ce top parce que je trouve hyper agréable sur la peau. Et voilà, je vais continuer ma journée. Donc là je vais descendre. On va faire à manger pour la petite. Pas pour qu'elle mange maintenant, mais faire la préparation de ce mois-ci. Et voilà, je vais mettre quand même un gilet parce que je pense que je vais me salir si je cuisine comme ça. Ou bien je mettrai un tablier. Ouais, je mettrai un tablier. Bon les gars, là nous sommes en bas et je vais commencer à faire la préparation de petits pots pour ma fille pour ce mois-ci. J'ai noté 3 recettes que je vais lui faire pour ce mois-ci. Le premier plat que je vais lui faire c'est épinards, poisson de riz. Ensuite je lui ferai tomates, carottes, poulet et des pâtes. Et alors le troisième plat que je vais lui faire c'est à base de courgettes, pommes de terre et du pané. Je vais d'abord commencer par sortir tous mes pots qui sont vides que je peux utiliser pour pouvoir mettre les plats à l'intérieur. Les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup de pots à faire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 14 pots que je dois faire et littéralement, j'ai encore 3 pots dans le congélateur que je vais liquider cette semaine. Et ça, c'est le nouveau pot pour ce mois-ci, sachant que ma fille, elle est 4 jours par semaine à la maison. Du coup, je fais des petits pots pour ces 4 jours par semaine quand elle est à la maison, tout simplement. Donc là, je vais aller chercher tous les ingrédients et on va commencer la préparation. Alors, on passe les ingrédients. On a de la courgette, on a des épinards, du pané, des pâtes grecques, des carottes, on a de la tomate, des tomates plutôt, on a de l'agneau, voilà, non pas de l'agneau, comment on a, si de l'agneau, non pas de l'agneau, du veau pardon, c'est du veau, voilà, je vais sortir le poulet et le poisson également. En fait j'ai la volonté de tout faire fait maison parce qu'en fait j'ai le Nutri Baby là,
Il n'est pas complet parce que je vais prendre les autres affaires que j'ai rangées. Vous voyez, j'ai celui-ci. Alors voici les autres pièces du Nutri-Baby. Donc on a le mixeur et le deuxième compartiment pour mettre les affaires. Donc je vais tout assembler. Ensuite, je vous montre ce que ça donne. Donc voici le Nutri-Baby, c'est vraiment l'un des meilleurs cadeaux que j'ai reçus. Merci à ma grande soeur Ruth parce qu'il est incroyable, je l'aime trop. D'ailleurs si c'est calme et que je filme maintenant, c'est parce que ma fille est en train de dormir. Donc là maintenant je vais commencer par laver les légumes, les éplucher et le couper en cubes. Et ensuite le mettre là-dedans dans le Nutri-Baby. Et je fais vraiment partie du genre de personne qui va respecter genre les mesures. Donc bête exemple, s'ils disent qu'à partir de X mois, ils peuvent manger... je sais pas moi, 100 grammes de poulet, ben je vais vraiment mettre que 100 grammes de poulet et pas plus. Je suis vraiment ce genre de personne. Après, je pense que quand t'es une nouvelle mère, ben t'essaies toujours de respecter les choses que le médecin dit, pédiatre, tout le tralala. Donc moi, je vais respecter les grammes de tout. Donc si par exemple, il y a marqué 10 grammes de féculents, je mettrai uniquement 10 grammes de féculents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parti en fait. On va commencer par laver et couper mes légumes. Je vais allumer ici pour avoir plus d'éclairage parce que sinon je ne vois pas très bien ce que je fais. Je prends trois bols comme ça qui va me permettre de mettre ce que je coupe en fait pour bien les conserver tout simplement. Bon les gars, voilà, j'ai coupé mes courgettes, panais, pommes de terre, carottes, tomates, épinards et encore des restes de carottes. Je verrai si j'ai assez ou pas. Donc là, je vais commencer avec du tomate, carotte, agneau, pâte. C'est pas de l'agneau, c'est du veau. À chaque fois, je confonds l'agneau et du veau. C'est du veau. Ça que je fais, je viens mettre la chose qui cuit moins rapide en bas. Vous voyez, là, et vous voyez que c'est trop en fait, je peux pas tout mettre en une fois. Les tomates, je mets ça ici, et vu que j'ai encore de l'espace, ça veut dire que je peux mettre les tomates avec le reste des carottes. Voilà. Ok, et vu qu'elle a mangé ça avec des pâtes grecques, ce que je vais faire, c'est ouvrir ce paquet de pâtes. Donc j'ai mis de l'eau là-dedans qui va me permettre de cuire mes pâtes grecques. Donc là j'ai allumé ma machine et en fait je vais faire à la vapeur et je mets le nombre de minutes pardon, qu'il faut. Déjà ça s'est allumé alors que je l'ai déjà nettoyé, ça va partir je pense entre temps parce que ma machine est très propre mais parfois ça bug. Donc là j'ai mis pour 30 minutes, voilà. Quand c'est prêt, ça va faire un bruit de toute façon. Donc, j'ai mis 30 minutes et au fur et à mesure, j'irai voir pour voir si c'est bien cuit ou pas. On va pas rester là sans rien faire pendant 30 minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à repasser les vêtements de ma petite. Parce que, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai envie de gagner du temps. Tu vois, quand t'es maman, on essaye de gagner du temps, en fait. J'ai tout ça à repasser, d'accord? Ça l'air beaucoup, mais je vous jure, ça va très rapide. Je vais mettre un vlog quoi à la télévision, une vidéo YouTube, et ça va vraiment passer très rapide. Je repasse toujours ici, là. J'ai mis ma planche ici, j'ai mis la télévision, et je me mets à repasser aussi simple que ça. Donc là, je vais sortir tout mon matos, et ensuite je reviens. Bon, les gars, voici mon setup. C'est littéralement ma vie, ça, tu vois. Donc là, je vais mettre à repasser. J'ai mon panier ici, que je mettrai tous les vêtements qui sont repassés là-dedans. Ensuite là, j'ai les paniers avec le vêtement à repasser de la petite. Hein. En fait là, ben, c'est parti, je me mets en accéléré. Hein.
Bon les gars, voilà, c'est fini. Donc là, je viens vérifier la cuisson avec mon couteau. Je vois que les tomates sont bien cuites, les carottes aussi. Donc là maintenant, ce que je viens faire, je vais mettre ça ici et mettre les prochains ingrédients à cuire. Alors maintenant, je vais mettre ça, c'est les courgettes et du panais. Comme ça. Je remets ça parce que les pâtes ne sont pas encore bien cuites. Je vais mettre les épinards. Ok. Voilà. Donc là, je vais mettre plaie pour une trentaine de minutes. Au niveau du repassage, j'ai déjà fait la moitié, comme vous pouvez le voir, donc il ne me reste pas grand chose à faire. Je pense que j'aurai terminé quand ce deuxième tour de nourriture sera prêt. Les gars, j'ai terminé de repasser, ça m'a pris 40 minutes, mais le panier est vide. Trop contente. Donc là maintenant je peux pas encore ranger les affaires parce que la petite elle dort tout le temps. En fait vu qu'elle est malade, elle aussi elle est crevée en fait. Ça fait déjà 2 heures qu'elle dort et il est déjà 15 heures entre temps. Elle a pas eu le temps de manger. Non, ça fait déjà presque 3 heures qu'elle dort parce qu'elle s'est endormie par midi. Donc j'ai pas eu le temps de lui donner son midi en fait. Mais vu qu'elle est fatiguée. Oh, elle est réveillée. Ha! Elle est réveillée. Regardez, elle bouge là. En fait, je peux même pas vous montrer. Bon, elle est réveillée, mais ça tombe bien. Du coup, je vais monter ce panier avec les vêtements propres. Et entre-temps, je vais aussi déjà chauffer sa nourriture. Comme ça, je lui donne maintenant. Habituellement, je lui donne ses légumes entre 11h et midi. Mais il y a des jours comme ça là, où tu n'as pas le contrôle, en fait. Là, depuis elle dormait, je ne vais pas la déranger parce que... Et elle et moi sommes malades. Mon mari l'a mis au lit. Et elle a très bien dormi là, donc là, je vais faire le reste. Vu qu'il est parti faire du sport, donc là, je vais donner à manger à la petite parce que je trouve qu'elle doit quand même manger malgré tout. Et je vais monter son panier qui est là. Vous voyez? Les gars, j'ai bien réfléchi, je vais déjà mixer ça avant d'aller prendre la petite vu qu'elle est quand même calme. Je vais... elle est juste dans le berceau là. Je vais profiter de mixer ça. Très important, quand je mixe, je mets un peu d'huile d'olive, mais l'huile d'olive vierge extra, genre, tu vois, donc celui-ci. D'autres personnes mettent l'huile quand ils servent la petite, leurs enfants. Moi, je préfère le mettre déjà ici maintenant, quand je vais mixer, parce qu'après, je vais oublier. J'appuie là. Donc là j'ai mixé les gars mais j'ai pas mixé à 100%, il y a des morceaux dedans. Et là du coup je prends mon truc pour peser, j'ai oublié comment on appelle ça. Mais c'est pour peser la nourriture en fait, les ingrédients. Et alors je viens peser la quantité que je mets. Bon. Là, il est l'heure de manger pour la petite, même si elle mange des heures plus tard, parce qu'elle s'est réveillée beaucoup plus tard. Voilà. En fait, quand je faisais manger ma fille, j'avais déjà sorti les épinards et les courgettes panées. Donc là, je vais mixer les courgettes panées. Bon les gars, voici le poisson et le poulet. J'ai déjà, je congèle ça selon le gramme qu'elle peut manger. Donc là, je sais que pour le poisson, je vais faire 2 pots. Pour le poulet, je vais en faire 3. Ensuite, le veau aussi 3. Donc je vais mettre la quantité nécessaire pour les pots. Je vais également les cuire à la vapeur. Bon les gars, je mets la viande à cuire. Regardez tout ce bordel. Je vais nettoyer pendant que c'est en train de cuire.
parce que là, j'ai terminé en fait, tu vois, il me reste 3 pots que je vais pas utiliser du coup parce que la majorité des pots sont remplis. En fait les gars, j'ai changé d'avis, pour les 3 derniers pots là, je vais faire épinards carottes, un avec des pâtes grecques, un avec les pommes de terre, un avec du riz, et je vais faire poulet, agneau, poisson. Voilà, comme ça c'est un peu varié, parce qu'ici on a du poisson. Ça c'est du poisson, ici du veau, et là on a du poulet. Mais comme ça ici, ben, je mettrai les 3 viandes. Je vais faire comme ça. Les gars, je suis crevée, ça fait presque 3 heures que je suis occupée, 3h30. Je suis vraiment crevée. Là, je vais déjà commencer à ranger. Mettre de l'ordre un peu, parce que en vrai, de vrai, j'ai terminé là. Je dois juste laisser refroidir et mettre la viande, soit tout poisson. Dans le truc, et pour certains, et pour le 3 dernier pot là, mais là je vais vite faire ranger parce que je commence à épuiser. Bon les gars, là je suis montée, je suis dans la chambre de la petite. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté ce panier avec le linge propre que j'ai déjà repassé. Je me suis dit que j'allais déjà faire ça pendant que la viande, l'épinard et les carottes sont en train de cuire dans la machine. Comme ça c'est déjà fait, je ne devrais plus y penser tout simplement. Donc là je vais tout ranger, je vais vous mettre en accéléré par contre parce que franchement les gars, je suis fatiguée. Les gars, c'est fini. C'est fini. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'est la dernière ligne droite. Je suis tellement crevée, les gars. Oh, c'est affreux. Je suis trop fatiguée. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour ma fille. Alors là, je viens vérifier la cuisson de la viande. Très important parce que je vais les mixer. Mais il faut que ce soit bien cuit. Donc je regarde bien partout. Ok. Alors maintenant, je dois juste les mixer. Bon les gars, voici mes petits pots. Donc ici on a féculents et légumes. Ici on a du poisson, sauf ça c'est du veau. On a du veau, on a du poulet, donc c'est bien varié. Comme ça elle a tout ce dont elle a besoin pour le mois. Donc là je vais venir bien mélanger, comme ça c'est déjà prêt. D'autres personnes préfèrent mélanger quand ils servent. Moi je préfère le faire déjà maintenant, comme ça je mets ça directement dans le congélateur. Bien sûr j'attends d'abord que ça refroidisse un peu. Bon les gars, nous sommes quelques heures plus tard, j'ai eu le temps de manger, de nettoyer la cuisine, de ranger et en fait là je suis juste crevée, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'ai vraiment fait au max de vous montrer à quoi une journée de ma peau pourrait ressembler. Malgré tout les gars, j'espère que ce mini vlog vous a plu, si c'est le cas surtout n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo en fait, parce que là, moi je vais aller me reposer, m'allonger sur le fauteuil parce que j'ai mal aux pieds. J'ai trop fait, mais c'est vraiment une vraie journée dans ma vie, genre j'ai rien inventé quoi que ce soit. Mes proches savent qu'il y a des jours qui sont comme ça dans ma vie. Et je voulais vraiment aussi vous montrer à quoi une journée réalistique pouvait ressembler. Et voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. On se dit à très bientôt, bye.